speech, Mr. Mayor. Monsieur le Président, lorsque survient un événement où la vie des personnes est menacée, il arrive que des gens se distinguent par leur courage et leur dévouement. Ce fut le cas pour 4 personnes de ma circonscription qui ont vu leurs actes de bravoure reconnus hier par le ministre de la Justice du Québec lors de la cérémonie du prix hommage aux civistes. En mai 2011, Mme Marie-Ève Paquin, M. Robert Brown et M. Lucien Flamand n'ont pas hésité à mettre leur vie en danger pour aller porter secours à une fillette de 12 ans qui se faisait attaquer par 3 pitbulls en pleine rue à La Sarre. Les 2 hommes ont été gravement mordus à plusieurs reprises, mais ça ne leur a pas empêché de sauver la vie de cette fillette. En août 2011, Mme Marjorie Caron s'est littéralement jetée à l'eau pour aller sauver une adolescente de la noyade et est intervenue sans même prendre le temps de penser à sa propre sécurité. Ces actes de courage extraordinaires ont été accomplis dans des circonstances difficiles et au péril de leur vie. Au nom de l'Abitibi-Témiscamingue et au nom des membres de cette Chambre, je tiens à les remercier et les féliciter. Hey, hey, c'est bon.